entendez chanter derrière pour remercier. Je regarde la vidéo de l'inquiétératif, je sais pas si vous connaissez, bref. J'ai pris mon petit déj, mon copain est parti genre 10 minutes travailler. Et moi voilà, j'ai pris mon petit déj comme j'ai dit. Je vais charger un petit peu mon téléphone et et ensuite j'irai à la salle de sport, mais je vais pas y aller tout de suite parce que j'ai le temps quand même que je digère. Et j'ai des soucis de disque dur, je sais pas, mon ordi, là il veut pas lire mon disque dur, hier il voulait pas le lire non plus. Du coup je sais pas, c'est un peu la cata. Heureusement j'ai réussi hier soir à le faire lire à un moment, du coup j'ai pu monter mon vlog. Et là je voulais m'avancer pour monter le vlog qui sera en ligne demain, donc le vlog d'hier que je filme. Et j'ai tout copié bien sûr mes vlogs sur ce disque dur. Et là il a pas envie de le lire, donc c'est extrêmement pratique, voyez-vous. C'est un peu relou parce que voilà. Et ça le fait. Enfin genre des fois je suis obligée de rallumer mon ordi, rééteindre pour que ça se relie. Donc là je l'ai rééteint. On croise les doigts pour que je puisse. Enfin que l'ordi le reconnaisse surtout. Bon bah j'arrive toujours pas à lire mon disque dur. Hein. Je suis dégoûtée, j'ai juste eu le temps de les copier dessus hier et de les supprimer de ma carte SD. En montant un autre vlog, et là bam. Il s'est déconnecté et depuis j'arrive pas à le remettre. Donc j'avais déjà quelques petits soucis avec, mais ça marchait quoi. J'avais trouvé la solution pour que ça marche et là non. Donc faudra peut-être que j'essaye de le lire du coup sur l'ordi de mon copain pour voir si c'est un problème de, je sais pas, de mon ordi ou du disque dur. Mais bon voilà, je crois qu'il éteint son ordi donc je sais pas si je vais pouvoir tester, mais ça me saoule un peu. Il y avait le vlog d'hier quand même dessus. En plus j'avais pas mal filmé hier, j'avais fait du ménage et tout. Ouais j'avais fait plein de ménage, salle de bain, dans la cuisine, tout ça. Passé le balai, j'avais tout mis en accéléré. Enfin je comptais le mettre en accéléré, j'étais en train de le monter. Et bah voilà. Bon j'ai pas pu allumer l'ordi encore parce qu'il y a un code. Donc j'ai juste, j'ai bien vu que le disque dur ne s'était pas allumé. Enfin j'ai pu l'allumer son ordi. Disons sans aller sur sa session et tu vois s'il reconnaissait, mais normalement le disque dur quand tu le branches il y a un petit point bleu qui s'allume et là il s'est même pas allumé, du coup je sais pas, ça m'embête un peu. Mais bon je me dis qu'il y avait pas des trucs de ouf dessus, il y avait le vlog d'hier et puis une vidéo que j'avais commencé à tourner sur des petits déjeuners, et c'est pas grave, je refilmerai. Voilà, mais bon tant pis au pire. Donc je verrai bien quand mon copain rentre à midi pour voir quand même, mais bon. Bon, je suis prête, il me reste plus qu'à m'attacher les cheveux. Je me suis pesée juste pour voir en fait. On m'avait dit de regarder. Enfin, on m'avait dit. J'ai vu sur internet se peser avant le sport et après le sport. Donc, j'ai vu ma masse d'eau pour voir si je buvais assez ou pas pendant le sport. Donc, si je suis déshydratée après le sport, c'est que j'ai pas bu assez. Et voilà. Et en passant, j'ai regardé ma dernière photo que j'ai mise sur Instagram avec la balance. Bon, là, du coup, le poids, il est pas. Je peux pas prendre en compte le poids que je viens de peser puisque j'ai mangé avant, etc. Donc il faudra que je prenne plutôt un matin. Mais j'ai quand même pris un peu de poids et j'ai vu surtout, du poids du coup, parce que j'ai pris 800 grammes de masse musculaire depuis décembre. Donc la photo que j'ai mise sur Instagram avec la balance, elle date du 8 décembre. Et aujourd'hui nous sommes le 18 février et j'ai pris 800 grammes de masse musculaire, donc c'est plutôt cool. Et j'ai pas pris de. Je prenais plus trop de shakers de protéines et j'ai pas fait énormément de sport pourtant. Du coup, je trouve que c'est plutôt pas mal quand même. De masse musculaire prise, quoi. Ça veut dire que j'ai pris presque 1 kg. Donc ça, c'est cool. Par contre, sur ma balance, j'ai toujours mis que j'ai 18 ans. Faudra que je change, je sais plus comment on fait. Enfin, bref, du coup, c'est plutôt cool. C'est pas forcément des chiffres hyper fiables parce que c'est une petite balance à la maison. Mais. Je vois l'évolution quand même quoi, genre j'ai pris quand même 800 grammes, les 800 grammes ils se sont pas ajoutés tout seuls, c'est pas un problème de balance. Peut-être le chiffre de base est pas hyper fiable, mais l'évolution on va dire elle est fiable, enfin je sais pas comment expliquer. Mais moi je me suis comprise, donc là j'ai pris un petit pré-workout histoire de se motiver. Je sais pas ce qu'il y a dans celui-là parce que j'en ai un autre de MyProtein dedans, genre il y a de la caféine et comme je ne bois pas de café... C'est plutôt cool dans celui-ci. Tu c'est écrit où? Ouais, il y a de la caféine aussi. Créatine.
Ça c'est des trucs que tu peux prendre à part en sport. Genre il y a des petits, même des capsules de caféine, des choses comme ça. Mais du coup moi je préfère un truc comme ça. En plus elle est pas mal bonne, celle-là de Woman's Best, je trouve. Bon, j'ai mis un sweat, j'ai mon legging My Protein là. Je prends mon sac de sport cette fois-ci, je n'oublie pas mes écouteurs. Mon chargeur de téléphone. Il fallait que je passe faire des petites courses, mais je sais pas si j'y vais après. Toujours l'autre coup que je me suis baladée, que je suis rentrée de la salle, j'étais en legging bleu. Les gens, j'ai vu des filles regarder en mode une fille, elle met des leggings bleus. Mais je pense qu'elle savait pas que je revenais du sport, parce que non, je ne mets pas des leggings avec des motifs dans la vie de tous les jours. Hein. C'est seulement pour le sport, mais bon, quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu peux pas trop savoir ce qu'elle vient de faire. Oh, je sais pas ce qu'il y a dans le mur, la peinture, mais mon appareil photo s'aimante au mur. C'est hyper bizarre. Oui, donc je vais quand même prendre mon portefeuille au cas où. Et mon copain m'a donné, il l'avait dans sa voiture, pour les aftes, ça. Urgo, plaie, lésion de la bouche, aftes, gingivite, brûlure, blablabla. En plus, c'est pas mal dégueu. c'est pas dégueu. Pardon, donc je vais me piter un coup de ça, me refaire mes cheveux, enfin me refaire une couette et c'est parti. Je crois que j'ai réussi pour vous poser. Par contre, oui, la voiture elle tremble. Du coup, quand je suis à l'arrêt, enfin, c'est normal, mais parce que vous êtes carrément posé sur le. Du coup, vous allez trembloter, j'ai l'impression. Ça fait mal aux yeux, mal à la tête. J'ai pas pris mes lunettes d'ailleurs. C'est pas très très grave. Hein. Mais je crois que j'avais emmené. Je sais plus si je les ai. Non, je les ai mis où? J'avais des anciennes lunettes et l'autre coup, je les avais mis dans ce sac pour les mettre dans cette voiture. Bah écoutez, je sais pas ce que j'en ai fait. Il y a du soleil, un truc de malade. Je dois ressortir mes petites lunettes de soleil. J'aurais presque pu y aller à pied, mais j'hésite. Suivant l'heure à laquelle je sors, j'irai peut-être faire des courses. Tant pis si je suis en tenue de sport. Wow, je suis aveuglée. Il fait trop beau. Mais du coup, il n'y a pas le soleil du côté dehors chez nous. C'est de l'autre côté, là. C'est un peu bête. Mais bon. Allez, dépêche-toi, toi. Oh là là, 10 ans, quoi. Donc voilà, pour celles qui voulaient des vlogs voiture, je pense que ça va tenir comme ça. En fait, j'ai pris mon trépied avec les pattes qui se plient, là. Et du coup, vous êtes bien posé. Juste les gens vont se dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle se filme quand elle conduit, elle. Et les chelous. Parce que c'est vrai que les gens, ils voient pas trop des gens qui se filment avec une caméra comme ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est parti. Je suis dans le parking gratuit et une voiture, elle s'est mise en plein milieu. Et il y a une autre voiture qui dépasse un peu. Franchement, je fais demi-tour pour repasser par un autre chemin parce que... Oups, il y a une voiture en face. Parce que je suis même pas sûre de passer en fait. Parce que voilà, c'est hyper serré et... Oh bah tiens, elle part elle. Mais c'est nickel ça. Parfait. Ouais, j'étais même pas sûre de passer quoi, parce que franchement, j'ai pas envie de rayer ma voiture pour essayer de me chercher une place gratuite. Hein. Et puis là, il y en a un qui s'en allait, pile poil, je suis juste un petit peu... Vu qu'il y a des voitures qui sont en plein milieu du parking, du coup tu peux pas prendre un bon élan et puis te garer bien, donc c'est un peu relou. Mais bon, par contre c'est à l'ombre, je pense que ça, elle va être toute froide la voiture après, mais je m'en fous, j'ai ma petite place. C'est parti pour aller à la salle tranquillou, faire mon petit sport. Et puis voilà, je pense qu'aujourd'hui je vais faire bras, comme j'avais fait l'autre coup, un peu bras, enfin non, j'avais fait pec, épaule et dos je crois. C'était une séance qui m'avait fait très mal le lendemain, je m'en souviens. Donc c'est parti, les gens vont croire que je pars mais non. Ce parking est vraiment à l'ombre donc ça caille, mais là, pour quelques mètres, j'atteins le soleil. Il va faire plus chaud je pense, du coup j'ai mes lunettes de soleil, on sera en pleine... Oh, un petit vomi par terre, c'est vraiment très très sympathique tout ça. Et du coup il fait à peine frais quand même à l'ombre. Hein. Moi j'ai cru que c'était le printemps, j'avais mon petit sweat tranquillou, avec juste une petite brassière en dessous. Ah, le soleil, ça donne trop envie, genre comme quand t'es au ski, tu te mets même avec ton manteau, tu te mets genre même avec ton manteau et tu te poses au soleil, dehors, ce serait un genre de lire ou voir un truc. Oui, j'assume pas trop encore de vlogger dans la rue quand je croise des gens,
Donc voilà, mais ça viendra. Mais c'est surtout que dans la ville où j'habite, rien que tu portes un legging bleu de sport ou alors tu portes un chapeau, les gens ils te regardent comme je sais pas quoi. Alors si tu te filmes, là c'est... je suis un alien quoi. Bref, c'est parti pour la salle et puis je vous retrouverai après. Hop, la séance est terminée. Il fait toujours aussi beau. Mais là je passe par des bâtiments, ça fait un petit raccourci, mais du coup il y a l'ombre. J'ai les bras, enfin surtout les épaules engourdies comme je ne sais quoi. Et j'aimerais bien refaire genre mes séances, refaire les refaire bien avec tous les exos et tout, et puis faire des séances plus ciblées et moins longues en fait. Enfin genre une séance de 45 minutes, 3 fois par semaine, 4 si je peux, mais 4 ça va être compliqué parce que ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, allez c'est parti à la voiture. Je viens de me faire super mal. Je viens de me cogner l'oreille dans le truc de la porte. Ça fait bien mal. Bon, je vais vous installer les cocos. Hop hop hop, bah du coup j'aurai pas le temps de faire les courses hein. Mais bon, je retourne au restap. Et il y en a plein qui m'ont... enfin pas. On m'a dit du coup plutôt que d'aller acheter mes fruits et légumes au magasin bio, moi j'irai pas au marché. Et c'est vrai qu'en plus il y en a au centre-ville, je sais plus c'est quel jour. Et c'est vrai que j'y pense pas forcément en fait, je sais pas pourquoi. Donc il faudra que j'y pense. Bon bah allez, on va retourner à la maison. Encore que je me douche, me lave les cheveux. Mon copain me dit ouais tu feras à manger quand ça sera prêt. Je pense que ça sera pas fait. C'est pas grave, j'ai fait à manger hier soir quand même. Et du coup je retournerai stable. Je vais peut-être passer à la Biocoop pour voir ce qu'il y a. Et faut que j'achète. De sûr faut que j'achète aubergine, tomate. Je sais que c'est pas saison mais j'ai envie de moussaka. Donc voilà. Faudra que je trouve une bonne recette sur internet ou que je demande à ma maman. Je crois qu'elle travaille ce week-end donc. Je sais pas, il faudra sûrement que je repasse chez moi. Je dois peut-être avoir peut-être des colis. Ma mère m'a dit qu'il y avait mes papiers d'assurance. Comment dire? Mes papiers d'assurance. Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Provisoire, voilà. J'avais déjà imprimé une feuille que j'ai mis posée sur mon. Le petit truc devant là, mais. Voilà. Donc je vais brancher mon téléphone. Pour pouvoir écouter ma petite musique, alors que bon, j'ai 2 minutes de trajet, mais c'est déjà ça. On va allumer la voiture, je l'ai pas allumée avant, comme ça vous tremblez pas. Et puis bah, on va rentrer, hein, les gars. Où est-ce que j'ai posé mon téléphone encore? Oh, puis en plus, à la salle, il y avait une dame qui avait un problème. Elle avait trop serré là son legging, la petite ficelle. J'étais comme ça là, à essayer de lui détacher. Parce que. Elle a demandé est-ce que quelqu'un peut m'aider. Et il y a tout le monde qui a fait genre j'ai pas entendu. Moi je me suis dit bah on va pas la laisser comme ça la pauvre. Elle peut pas enlever son truc, c'est super serré. Donc j'ai enlevé un petit nœud, puis elle a dit qu'elle allait réussir à enlever le reste. Enfin bref, j'ai trouvé ça pas cool de la part des autres de faire genre on a rien entendu alors que la pauvre elle était coincée quoi. Enfin bref, on rentre à la maison. Bon me voilà rentrée. J'ai croisé un papa je pense avec son fils. Je les avais jamais encore croisés de tous les jours, je croise de nouvelles personnes qui habitent ici. Puis j'entends le petit, c'est papa, c'est la première fois qu'on la voit ici elle. Ok. Parce que sinon quand je passe par le garage, généralement je croise pas trop de gens, mais en fait l'ascenseur il est long, du coup je prends les escaliers, je ressors et je re-rentre. Parce que ça va plus vite, voilà tout simplement. Là je pense que je vais peut-être faire la vaisselle et ranger tout ce qui traîne. Et franchement j'ai aucune idée de quoi faire à manger, je crois que je vais attendre mon copain parce que voilà. Si je fais déjà la vaisselle c'est déjà pas mal hein. Bon, ouais j'ai chaud, j'ai les joues qui étaient rouges. Du coup mon copain est parti, mais en même temps je suis blanche comme je sais pas quoi là. Il y a du soleil dehors, c'est pour ça. Et pour que je vous raconte, mon téléphone, donc j'allais me doucher et tout. Mon téléphone était posé sur le truc où je pose mon maquillage dans la salle de bain. Je sais pas ce que j'ai foutu, il a fait un vol plané de là jusque dans le mur en face. Ma vitre en verre trempé était complètement pétée. Du coup là je viens d'en mettre une. Il paraît comme neuf. J'ai juste un peu trop décalé vers la gauche. C'est pas très grave tant que ça protège mon écran. Du coup là mes cheveux je les avais pas séchés totalement au sèche-cheveux. Du coup ils font des trucs chelous. Je pense que je les lisserai un petit peu parce que ce soir en plus je sors tout ça. Donc là je vais me maquiller. Je tourne une vidéo. Ensuite je vais peut-être faire des petites courses et je tournerai une autre vidéo sûrement après
J'aimerais bien passer à la Maison du Monde. J'ai montré à mon copain la nouvelle collection. Il a dit que c'était joli. Il a dit ouais, on ira si tu veux. Mais du coup, j'hésite à peut-être y aller. Parce que si je vais à la Biocoop, c'est en ville. Maison du Monde, il y en a un en ville aussi. Mais il n'y a pas que en ville. On a un autre à Château Farine. Du coup, je sais pas trop si je vais à Château Farine. Comme ça, je fais mes courses en même temps ou pas. Quoiqu'il est déjà 14h40. Est-ce que ce serait pas mieux? Je pense que je vais aller faire les courses avant plutôt. Je me maquille là, je fais mes courses et ensuite je tournerai mes vidéos parce que le truc c'est que après si on se rapproche de 16-17h pour aller faire les courses, ça va être la galère. Et j'ai vu qu'il y avait un... Je voulais aller à la Biocoop donc comme j'ai dit, mais j'ai vu qu'il y en avait deux. Donc il y en a un, je sais que c'est en ville. Et l'autre, je sais pas où c'est. Il y a un magasin de déco que j'aimerais trop aller aussi, c'est Centre Accord je crois. Enfin ils font de la déco et pas que de la déco aussi, mais c'est à Planois je crois. Enfin pff, si vous connaissez pas, franchement vous en foutez. Alors, où est-ce que c'est? Ah non. J'ai cru que c'était pas loin de où je voulais aller, mais en fait non. Mais en fait il y a Biocoop qui est pas si loin de chez moi. Je découvre ça. Alors là, j'étais absolument pas au courant. Mais je vois pas du tout où c'est. Il y a une photo, mais je vois pas de Biocoop sur la photo en fait. Bah écoutez, j'en ai aucune idée de où ce que c'est cette chose. Mais bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais aller me maquiller.